les gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que la deuxième partie de la vidéo va vous plaire. C'est une vidéo en collaboration. N'hésitez pas à faire le nécessaire, liker, commenter, partager. Abonnez-vous surtout parce que c'est important. Allez vous abonner à la chaîne d'Anana parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, j'admire beaucoup. Donc, restez pour la suite de la vidéo. Tchuss. De toute façon, ils sont des adultes. Parce que moi-même, je leur ai demandé d'aller dans les mêmes directions. Ils n'ont pas accepté. Il y en a un qui est parti en haut et l'autre de ce côté. D'accord? C'est pas moi. Je leur ai demandé d'aller dans les mêmes directions. Mais ils ne m'ont pas écouté. D'accord? C'est pas ma faute. De qui je parle? Je parle de mes traits d'eyeliner. Tu vois? Ça, c'est parti vers le haut et ça, de ce côté. Ce sont des adultes. Ils décident ce qu'ils veulent. Je ne peux pas décider à leur place. Ok? C'est pas moi. Ok? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo en collaboration avec Ainana. C'est une youtubeuse haïtienne. Donc, si franchement tu es haïtien et que tu es sur YouTube, tu ne connais pas Ainana, va dans la barre d'infos, tu cliques sur sa vidéo et va regarder. Tu regardes ses autres vidéos dès le début jusqu'à la fin, mon gars, et tu sauras qui est Ainana. En plus, je vous dis, elle a une fille qui est trop mignonne, Vashti. Elle. So, yeah. Cette vidéo, c'est une vidéo qui est en collaboration avec Ainana. Je mettrai sa vidéo en barre d'infos pour vous. L'idée de la vidéo, c'est quoi? C'est que nous allons créer deux concepts. Elle va créer un concept et moi, je vais créer un autre. C'est... Moi-même, j'ai proposé ça et elle a accepté. Franchement, elle est trop cool. Elle a tout de suite accepté. Elle me dit, voilà, dis-moi qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Voilà, voilà. Franchement, merci beaucoup pour cette collaboration. Ainana, yes! Donc, l'idée de la vidéo, c'est quoi? C'est créer des concepts. J'ai proposé ça. J'avais envie de faire quelque chose que, franchement, on n'a pas encore vu sur YouTube. J'espère que vous allez comprendre ce que moi-même j'ai créé. Après avoir regardé la vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne d'Ainana, regarder sa vidéo et me dire ce que vous en pensez, laisser des commentaires. Et s'il vous plaît, vous devriez aller. C'est un ordre que je vous donne. Voilà. Et merci à tous ceux qui sont sur la chaîne d'Ainana, qui vont venir, qui sont venus déjà. Je vous demande de laisser un commentaire. Abonnez-vous. Bienvenue. Comme chez vous, Mais qu'est-ce que je raconte? Nous allons nous amuser ensemble. J'espère que vous allez aimer le contenu de ma chaîne. Je suis une youtubeuse haïtienne. Haïti. Donc, j'ai voulu faire la vidéo en créole, mais j'ai pas voulu que ça se limite. Parce que faire la vidéo en créole, tout simplement, il va avoir beaucoup de personnes sur ma chaîne qui ne vont pas comprendre tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais faire la vidéo en français. Peut-être qu'il y a des choses que je dis en créole. Il n'y a pas de problème, je mélangerai tout pour vous faire comprendre ce que je veux faire passer. Yes! Comme je le disais, je n'ai pas voulu faire quelque chose qui existe déjà sur YouTube. J'ai voulu faire la différence et surtout avec Ainana, sa chaîne est grave différente. Et je crois que c'est la première haïtienne que je trouve sur YouTube qui fait des vidéos comme ça, genre... Vous sentez que voilà, c'est sa vie quoi. Elle vit sur YouTube. J'en sais pas qu'elle passe toute sa vie sur YouTube, mais c'est comme vous sentez que YouTube, ça fait partie de sa vie quoi. Donc, voilà. Et le concept que j'ai créé, c'est Make Your Fun. M-Y-F. C'est quoi? Je vis dans un pays où... Bon, je vis dans un monde où... Tout le monde se laisse guider par la nature. Tout le monde qui était la nature fait tout bagaille pour eux. Chaque jour qu'on bagaille mal qui arrive,
La nature vous fait mal. La nature vous fait mal. La nature vous fait mal. Donc voilà. Tout le monde qui était la nature décide dans la place, yo, tout le monde qui était la nature fait bagaille, yo, j'en ai oublié. Et moi-même, franchement, pas envie. Comme si, ok, la nature a toujours qu'à faire bagaille, j'en ai oublié. Mais pour une fois au moins, nous-mêmes n'avons qu'à choisir qui ça nous voulait qui fait. Make your fun. Fabrique. Comme, like, pas make dans le sens que elle fait genre vague. Non. Moi, je dis make your fun et fabrique ton plaisir ou bien fais-toi plaisir. C'est dans le sens que tu vas créer ce que tu veux qu'il se passe. Par exemple, bon, dans la deuxième partie de la vidéo, oui, parce que cette vidéo sera deux parties. La deuxième partie, je vous ferai un exemple. Voilà. Claire. Donc, make your fun, c'est un concept et que je viens tout juste de créer. Donc, je demande aussi aux youtubeuses haïtiennes, mais aux youtubeuses qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît, vous pouvez aussi faire, faire des vidéos sur mon concept. Parce que tout à l'heure, je vous donnerai des exemples. Tout à l'heure, je vous ferai genre un story time, mais ce sera version make your fun. So yeah, comme je le disais dès le début, nous laissons trop la place à la nature de décider pour nous ce que nous voulons qu'il se passe. Ok? Manger, c'est la nature qui décide. Dormir, c'est la nature qui décide. Tout ce que vous faites, vous ne travaillez pas, c'est la nature qui décide. Non. Pour une fois, essayez de créer ce que vous voulez qu'il se passe. Créez votre histoire. Ok? Vivez dans votre monde. Voyagez votre monde. Ok? Auparavant, ce n'était pas facile pour moi de trouver un nom pour le concept. Mais j'avais déjà l'idée en tête. Je savais déjà, voilà ce que je veux proposer à mes abonnés. Voilà ce que je veux proposer aux gens. Mais au début, franchement, je n'ai pas pu trouver le nom. Donc, j'ai trouvé Make Your Fun. Je crois que c'est hier soir que j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, ok, j'ai proposé ça à Inanna. Jusqu'à ce que je n'ai pas encore eu sa réponse pour me dire si c'est Make Your Fun ou Do Your Fun qui sera le mieux. Mais moi, je préfère Make Your Fun dans le sens de fabriquer. Ok? Donc, fabriquez vos histoires, les amis. Laissez la place à ce que vous voulez, à vos désirs. Ce n'est pas la peine de tout laisser sur le dos de la nature. Ensuite, la nature vous fait mal. La nature vous fait mal. Ok. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Attendez, juste une histoire. Vivez dans votre monde. On va passer à la deuxième partie de la vidéo qui sera un exemplaire de Make Your Fun. Yes. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un Make Your Fun Video Story. C'est une vidéo dans laquelle je vais raconter une histoire que je veux que ça se déroule comme ça ou bien que dans ma tête, ça s'est déroulé comme ça. D'accord? On va passer à la suite de la vidéo. Il était 10h, j'étais en France hier soir et j'ai rencontré Barack Obama et il m'attendait. Pour tout vous dire, il m'attendait parce que j'avais rendez-vous avec lui pour parler un peu de nos enfants et de tout. Parce que oui, j'étais mariée avec Michelle Obama. Mais voilà, c'est pas vraiment mon type. Je l'ai laissé tomber. Yes! Donc, on avait rendez-vous pour parler des enfants et tout. Et à mon arrivée, il m'a très bien accueilli. Mais... il y a sa femme là, comment elle s'appelle, Michelle. Cette femme là, elle était venue genre, ouais, t'es qui et tout. Je lui ai dit, hey, ma meuf, j'étais là avant toi. Ok. Alors, déguerpi, ma copine, déguerpi. Laisse-moi régler les affaires de mes enfants parce que en septembre, c'est l'école. L'école va s'ouvrir en septembre. Et là, il y a mon gars en termes. Là, tu ouvres ton corps. Voilà, comme ça. Comme si c'était pour toi seul. Il était non, ma copine. C'est mon gars. Il était là. J'étais là avant toi. Alors, rentre-toi, toi, mets-toi dans une boîte.
puis, Michelle Obama a commencé à faire des stupidités, genre, oh non, Barack, tu ne peux pas amener ta copine ici, ton ex ici et tout, et tu pouvais prendre rendez-vous et tout, et tout, et tout. Et j'ai entendu frapper à la porte. Lorsque j'ai été ouvrir la porte, il y avait Donald Trump. Donald Trump m'a apporté des fleurs. Oh, ouais, Stéphanie, oui, voilà, tu es aux États-Unis, tu es là, voilà. J'ai dit non, je suis pas aux États-Unis là, mon gars. Je suis en France, ok? Oh my god, tu me bouleverses l'esprit. Et que voilà, même je n'arrive pas à savoir dans quel pays est-ce que je me trouve. Stéphanie, je suis fou de toi. Stéphanie, prends-moi dans tes bras. Oh my god, je t'ai apporté des fleurs, Stéphanie. Je suis fou amoureux de toi. Oh, oh. Je lui ai dit maintenant. Je te veux pas, mon gars. Donald Trump, je te veux pas, ok? J'aime quelqu'un. J'ai quelqu'un dans ma vie. Je suis là simplement pour régler mes bails avec... comment il s'appelle encore? Barack. Les bails de mes enfants avec Barack. Je suis pas là pour flirter avec toi. Tu es le président et moi, j'ai pas envie d'attirer trop l'attention sur moi et tout. Donc, derrière tout. Et j'ai demandé aux sécurités... et de chasser Donald Trump de la maison de Barack Obama. Et il y avait Michelle, elle sautait, elle pompait, elle n'avait plus nulle part où mettre ses fesses. Ok? J'ai envoyé des boulettes. Je lui ai dit, ma copine, à ces trois, je n'ai rien à dire avec toi. Je suis venue régler les bails de mes enfants avec mon gars, mon gars. Alors j'étais là avant. Alors la ferme, ma copine. Et puis, Michelle s'est levée, elle est allée dans sa chambre et je sais pas, j'avais pas d'idée. Pour moi, elle était juste allée s'asseoir dans un coin, pleurer sa peine et tout. Mais non, elle n'était pas allée faire ça. Elle était plutôt allée chercher son fusil ou bien je sais pas, son fusil de chasse et tout. Elle m'a dit, tu déguerpis de ma maison ou bien mon gars, ou bien ma gauche, ton gars là, moi qui étais là avant toi, et là tu peux me tuer pour lui. Je ne suis pas là pour prendre ton gars, ma copine. Je suis là pour régler mes bails avec ton mari. C'était mon premier ami, je l'ai laissé pour toi parce que je t'aime tellement, ma copine, que je l'ai laissé pour toi. Ok, je n'étais pas là pour faire du non, j'étais tout simplement venu régler mes bails pour mes enfants. Je ne voulais pas te causer de problème, ma copine. Ma copine, j'allais partir même, ma copine. Oh, j'ai commencé à prendre la voix. Ma copine, c'est pas la peine. On est des noirs, ma copine. Ma copine, je vous dis que... J'étais tout simplement venue lui dire que il doit te respecter, ma copine. J'ai commencé à prendre la voix. Avec les armes, là, on ne joue pas. J'ai commencé à prendre la porte là, l'escalier, la demander aux sécurités de ma copine. J'ai dit, j'étais pas là pour faire du dégât, pour te causer du tort. J'étais tout simplement venue lui dire que il doit te respecter, ma copine. Il doit t'aimer, ma copine. Lorsque j'ai vu son âme, j'ai commencé à dépaler. J'ai appelé, oh Jésus, qu'à côté mourir. Oh, Jésus. Et voilà. Et... J'espère que vous avez aimé cette Make Your Fun vidéo. Et voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer à travers ce que je disais avant. Donc voilà, je voulais expliquer à travers une vidéo. J'espère que vous allez comprendre le concept et je pense que ça va s'élargir un peu. Ça va pas rester dans le cadre des story time parce que moi je suis quelqu'un qui aime faire les story time. J'aimerais avoir des idées pour élargir ça davantage. Je vais demander à d'autres youtubeuses ou bien youtubeurs de reprendre le concept. Donc, vous-même, vous pouvez reprendre le concept. Et s'il vous plaît, envoyez-moi un petit message lorsque vous reprenez le concept pour que je puisse aller regarder, commenter et tout et tout. Donc, voilà. Merci encore à Aïnana de m'avoir permis de faire cette collaboration avec elle. Merci beaucoup les gens. Allez regarder la vidéo d'Aïnana.
commenter, partager, liker, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à liker.